Salam alaikum, j'espère que vous allez bien et vous êtes en bonne santé. On va faire aujourd'hui le cours portant sur le bloc nous pancréatique. Oui, le bloc, parce qu'ils sont en continuité, ils sont étroitement liés. Et puis, euh, par la vascularisation ou même en structure, d'accord Et vous, nous allons voir tout ça. Les objectifs de ce cours, c'est de connaître la morphologie en passant. En passant, oui. Le plan du. Oui. En introduction, le diodénome et la tête du pancréas forment un taux indissociable appelé bloc diodénode pancréatique, tant sur le plan anatomique que pathologique aussi, en raison de quatre éléments. Donc, même s'il y aura par exemple un cancer au niveau du pancréas, eh ben, ça va disséminer aussi au niveau du diodénome, et si on va enlever la partie du pancréas, et puis on va enlever aussi le diodénome, d'accord, très bien, et souvent on laisse une partie du pancréas, mais même si on va enlever ces parties, ça nécessite de donner aux patients les différentes hormones, etc., etc., pour la bonne survie, parce que vous savez bien que le pancréas est indispensable aussi pour la survie, parce qu'il va sécréter pas mal d'enzymes, pas mal d'hormones, etc., etc. Donc euh, voilà. Et puis, alors, en raison de quatre éléments, leur intime rapport de contiguïté, et vous allez le voir dans ce schéma par exemple, vous voyez clairement et nettement ici, ils sont vraiment étroitement liés. D'accord euh, L'identité des rapports péritoniaux. Aussi, donc, l'identité, donc, ce euh, sera les mêmes rapports. D'accord bah, Soit pour les veines, etc. etc. donc, ce euh, sera les mêmes. Ok Très bien. La ne ne communauté de leur vascularisation. Et l'abouchement dans le diodénome des canaux des pancréas exocrines, le suc pancréatique, oui. Suc, ça veut dire quoi Suc, ça veut dire euh, un liquide organique, ça veut dire un liquide sécrété par un organe. Et dans ce cas-là, donc, ça sera un suc ou un liquide digestif, d'accord Le suc pancréatique qui va contenir, bien sûr des enzymes etc etc d'accord parce que on parle du pancréas exocrine on parle pas du pancréas endocrine endocrine c'est il va sécréter au niveau de, il va libérer le, son produit dans le sang d'accord très très bien voilà et puis exocrine donc il y aura un canal excréteur ce canal va être lié au diodélone. D'accord Très bien. Donc, dans cette planche, on, va, euh, on voit bien. Donc, euh, ça, c'est le pancréas. Et en avant du pancréas, on aura l'estomac, d'accord Et plus, plus en avant, il y aura le foie, d'accord Le foie. Très bien. Donc, ça, c'est les reins. Ça, c'est le dieu de D'accord Avec. Euh, euh, et il se trouve euh, pas à l'intérieur du péritoine, il, il est extra péritonial, d'accord. Donc il va se trouver à, dans la région rétro péritoniale. Et euh, avec le pancréas, d'accord. Très bien. C'est, il y aura deux prononciations. C'est ça, c'est juste d'accord de dire pancréas ou pancréas. Très bien, donc le pancréas est constitué d'une tête, d'accord La tête qui est intimement liée au diodénome. Un col ou l'isme, d'accord C'est une partie un peu rétrécie par rapport à la tête, d'accord Il y aura le corps et la queue. Très bien, donc quand on va enlever le pancréas, par exemple, on va laisser la queue, par exemple. Très bien, ça c'est euh, le colon. Et va se terminer par sa euh, portion horizontale, d'accord Très bien. Et puis euh, ça, ça sera le tronc ciliaque. What? Wait. Le tronc ciliaque, d'accord euh, qui, qui est la, la première branche collatérale euh, de l'aorte abdominale, d'accord L'aorte abdominale. Qui, euh, va se trouver à la hauteur de t12 très bien et euh, cet tronc donc va donner trois artères d'accord il ya l'artère splénique d'accord qui va donner différentes arcades qui vont euh, vasculariser le pancréas il va terminer au niveau de la rate parce que tout ce qui est splénique ça a une relation avec la rate d'accord très bien Elle va donner aussi euh, l'artère hépatique commune et l'artère hépatique commune va donner l'artère ben, va donner la gastrique aussi euh, droite et va donner euh, et va se poursuivre pour te devenir l'artère hépatique propre et une autre artère que je ne vois pas ici. Très bien, mais peu importe, ce n'est pas important, on va les voir aussi au niveau de la vascularisation artérielle. Donc c'est un peu pour avoir une petite idée, d'accord, parce qu'il y aura des anastomoses. Très bien. Euh, ça, c'est l'artère mésentérique, d'accord euh, Supérieure. Et ça, c'est l'artère mésentérique, parce que l'aorte abdominale, c'est elle qui va nous donner l'artère mésentérique. Très bien. Euh, donc, euh, je pense que c'est tout pour cette planche. Diodéno-pancréas. Deux organes situés contre le plan pariétal postérieur au niveau de la partie moyenne de la cavité Abdominal, au niveau de la partie moyenne de la cavité abdominale. Alors, euh, il faut d'abord savoir quelques notions sur le péritoine, d'accord Parce que péritoine, enfin, il y aura sa face antérieure, d'accord qui, qui sera vraiment plaquée contre la paroi abdominale, d'accord Qui est de la superficie vers la profondeur la profondeur. <laughs> voilà. Donc, il euh, y aura la peau, il y aura le, un tissu graisseux, il y aura, euh, enfin, voilà, le fascia, il y aura les muscles, et puis, il y aura le péritoine. Mais, dans la face postérieure, bon, il y aura la face diaphragmatique, bien sûr, et la face pelvienne, d'accord. Dans la face postérieure, enfin il n'y a pas euh, vraiment un contact avec la paroi postérieure d'accord qui est constituée des vertèbres et des muscles la peau etc etc d'accord il y aura dans cet espace là l'espace rétro péritonial c'est là où on va trouver les reins les fangs, enfin, voilà les reins les ulcères etc etc et c'est là où on va trouver aussi la horte, par exemple cave inférieure etc etc ok euh, et ici, où on va trouver ces deux organes, d'accord? Parce que, enfin, euh, vous allez me dire que le diodénome, c'est euh, donc, euh, c'est comme le l'estomac, bah, d'accord? Parce que l'estomac se continue par le diodénome. Et donc, euh,

euh, à partir de cet orifice, il y aura le diodénum, d'accord Et le diodénum, tiens, diodénum du postérieur, ok Il Besh, dans la région rétroperitoneale, d'accord Donc, on le plan pariétal postérieur, ok Très très bien. Organe étroitement solidaire, étroitement solidaire. Vous voyez ici. Donc, c'est comme diodénum va euh, faire euh, comme ça. Et la tête du pancréas va s'implanter ici. Très très bien. Le diodénome, c'est le segment initial de l'intestin grêle. Fait suite à l'estomac au niveau du pylore et se termine à l'angle diodéno-géjunal. Géjunal parce que euh, ici, enfin, alors ici, 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 oui, oui. Ici, c'est l'angle. Je, 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 non, 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 non. Ici, ici. Voilà. Exactement. Hmm. Wait a second. Hmm. Hmm. Oui. Oui. Donc, je pense que. Alors, ici se trouve l'angle du déno. Euh, jéjunal d'accord et puis euh, ici ça commence le géjunome ok très très bien parce que tout ça c'est le diodénome d'accord ça c'est le géjunome très bien euh, donc le pancréas c'est un organe impair annexé au tube digestif et solidaire au diodénum, glande mixte, donc euh, exocrine et endocrine. Exocrine par sa sécrétion du sucre pancréatique nécessaire à la digestion. Et endocrine par la sécrétion de l'insuline. Très bien. Donc, euh, ça, il y aura les somas puis euh, ça termine avec le diodénum. Et puis, vous voyez que l'estomac est plus antérieur que le pancréas. Et c'est vraiment logique parce qu'on avait dit que le pancréas et le diodénome se trouvent dans la région rétro Et vous voyez ici les reins, d'accord Et vous voyez que le rein droit est étroitement lié aussi avec le diodénome, d'accord Très bien, il aura un rapport avec... Le rein droit et non pas le rein gauche, d'accord, très bien. Euh, et euh, sur rénal, il y aura la veine cave et la horte, d'accord, la horte abdominale qui sera aussi dans la région rétro-péritoniale et les urètres, bien sûr. Et il y aura le colon mais que l'on se trouve dans la euh, cavité euh, péritoniale proprement dite. D'accord Très bien. Pancréas. Voilà. Anatomie descriptive. Donc le pancréas est un organe très profond. Il est très profond. Vous pouvez le voir ici qu'il est très profond. Imaginez-vous alors ici il y aura... Bien sûr la peau puis un tissu graisseux facial les muscles puis il y aura le foie ici et derrière le foie on va trouver l'estomac et puis il y aura bien sûr la réflexion de euh, le, 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 le péritoine etc etc et puis je, euh, en arrière on va trouver le pancréas d'accord pancréas très bien donc, c'est un organe qui est très profond. On ne peut pas ressentir la douleur en, euh, dans la partie antérieure. D'accord C'est profond. En avant de L1 et L2. D'accord En avant de L1 et L2. Vous voyez, il est plaqué contre la euh, colonne vertébrale. Et donc, il est très profond. D'accord L1 et L2. Il présente un trajet ascendant ascendant d'accord et non pas descendant d'accord parce que on, on va euh, décrire une tête ici et la queue ici donc il va te présenter un trajet ascendant d'accord et oblique il est presque entièrement sus mésocolique Mésocolique. donc euh, parce que il y aura euh... donc euh... Y a pas une image qui explique ça. Bref, donc c'est quoi mesocolon? mésocolon quand on dit euh, quelque chose de meso, donc euh, c'est-à-dire qu'il y aura un accolement de deux feuilles. D'accord? Très bien. Donc ici il y aura l'accollement de, des deux feuilles du péritoine, donc péritoine pariétal pour euh, et viscéral pour. Euh, comment on dit? Euh, <laughs> rejoindre voilà le colon ok très très bien et donc il y aura euh, euh, cette cette chose là qui est ici donc il est presque sus mésocolique d'accord très bien donc si je vais voir s'il y en a une image très bien donc j'ai trouvé cette image et puis vous voyez, alors ça c'est une maison euh, mésocolon transverse, c'est la colonne de, des deux feuilles, d'accord, vous voyez, c'est pas du colon, d'accord, c'est c'est euh, du péritoine, d'accord, c'est pas du colon. Très bien. Donc vous voyez le pancréas qui est présenté ici qui a une couleur rosée, d'accord, euh, et qui est vraiment sus mésocolique, d'accord donc vous pouvez voir ici qu'il qu est presque parce qu'il y aura cette portion là qui n'est pas vraiment donc sus mésocolique, mais euh, cette partie, la majeure partie de, du pancréas est sus mésocolique d'accord? Très bien. Et ça c'est la racine du mésentère. Voilà péritoine pariétale. et voilà. Voilà, donc c'est un organe très fixe, accolé à la paroi abdominale postérieure par le fassoi, euh, fascia de traits, par le fascia de traits, ok. C'est-à-dire la paroi euh, postérieure, ok, paroi, et non pas le, le feuillet pariétal du péritoine, d'accord, la le paroi, ok. Parfois, c'est euh, osseuse, musculaire, etc. etc. D'accord Donc, c'est un muscle, euh, c'est un organe qui est très fixe. Donc, on ne peut pas, par exemple, le bouger. Il n'est pas mobile. Mais les intestins sont des organes mobiles. D'accord Très bien. Donc, accolé à la paroi abdominale postérieure par le fascia de Traits. Fascia de Traits. Et les solidaires du cadre diodénal. Solidaire du cadre diodénal, comme vous voyez ici. Très bien. Donc L1, L2. Très bien. Muscle de traits. Et voilà. Étage sus-mésocolie. Ah oui, je <laughs> n'ai pas vu ça. Donc, racine du mésocolon. Transverse. D'accord Et puis vous voyez, alors la majeure partie est sus-mésocolique. Très bien, étage sous-mésocolique qui est ici. Très bien, donc dans l'étage sus-mésocolique, on trouve une partie du diodénome, on trouve les reins. Donc euh, bien sûr, pas le, la, la portion entière de, de, euh, des reins, on trouve les glandes surrénales. Et voilà. Donc, voilà. Pancréas, morphologie externe glande irrégulière, de consistance ferme mais friable. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que qu'il est solide, qu'il ne change pas d'état physique, d'accord Qu'il est stable. Euh, donc euh, comment on dit résistant reste comment on dit euh, il est stable dans cette consistance, d'accord Une consistance ferme et friable, ça veut dire euh, HESH, d'accord Le pancréas, euh, le, le, vraiment HESH, d'accord Très bien, c'est ça. Et oui, oui, oui. Coloration rosée, allongée transversalement en avant du rachis lambert selon une direction oblique au haut et, euh, et latérale gauche. Risque de contusion en cas de traumatisme. Oui, voilà, parce qu'il est friable. et oui, ouais, ouais. Oui, déjà il est plaqué contre le, 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 le rachis lombaire. Donc, ta -ta -ta. très bien. Et oblique au nous et à gauche. Une à droite ou une à gauche Ok, très très bien. Le pancréas, morphologie externe, présente quatre segments. La tête, un col ou isthme, corps et la queue. Il a une longueur de 16 à 18 cm. C'est vrai, ça, c'est en moyenne parce que ça change d'un individu à un autre. Une hauteur de 6 cm au niveau de la tête, 3 cm au col et 1 à 2 cm au niveau de la que Donc vous voyez, la majorité de la hauteur, c'est au niveau de la tête. L'épaisseur, c'est de 2 cm. On peut dire que c'est un organe plat. Poids de 80 grammes. Voilà, il a une forme irrégulière, comme vous voyez ici. Ça, c'est la tête. D'accord Ça, c'est l'isme. Et puis le corps. Puis la queue. Et vous voyez à l'intérieur le canal excréteur. D'accord D'accord D'accord. Et le canal de Santorini, qui est un canal accessoire en cas de... Euh, comment on dit euh, Si, si euh, ce canal, il te bouche. Hein. Ok. Très bien. D'accord. Et puis... Donc, empreinte veineuse, il y aura l'empreinte de, de la veine splénique, empreinte de la veine mésentérique inférieure et empreinte de la veine porte. Ça, c'est la veine porte. D'accord C'est la grande veine. D'accord Qui va rejoindre aussi le foie. Et il y en a veine splénique et le mésentérique inférieur. D'accord Ça c'est la veine mésentérique inférieure, veine splénique et veine porte parce que la veine porte naît de la réunion de la veine splénique et la veine mésentérique inférieure. Donc, on peut dire que le pancréas présente des empreintes euh, vasculaire, d'accord? Des empreintes vasculaires, trois empreintes vasculaires. La veine porte, veine splénique et mésentérique inférieure. Très bien. La tête circonscrite par le cadre diodénal présente un prolongement inféro gauche. Très bien. Le cocher pancréatique. Donc, vous voyez. Parce que ici, c'est à droite. Et ici, c'est à gauche. Donc, elle va présenter un prolongement inféro gauche. Le cocher pancréatique au petit pancréas de Winslow. De Winslow. Ok Très bien. L'isme entre deux échancrures. Échancrures supérieures. mouées sur le diodénome. Et échancrure inférieure laissant passer les vaisseaux euh, mésentériques supérieurs. Très bien. Échancrure. Hum. Alors, le corps de forme prismatique allongé transversalement en avant de la colonne vertébrale. D'accord Le corps. La queue. Euh, à gauche de l'échancrure déterminée par le passage des vaisseaux spléniques, ici. D'accord Très bien. Donc, l'isme entre deux échancrures, l'échancrure supérieure moulée euh, sur le diodénome, échancrure inférieure laissant passer les vaisseaux mésentériques supérieurs. D'accord Et celle-là, de la queue, c'est, elle est... Euh, à gauche de l'échancrure déterminée par le passage des veines spléniques, d'accord, veines spléniques, mésentériques supérieures. Très bien. Alors ici, on va dire des mots sur les rapports. Et donc euh, ça, c'est la veine porte. Ça, c'est la veine cave. Ça, c'est la horte et le rein, d'accord, ça c'est la rate, d'accord, parce qu'on reconnaît bien sûr la veine splénique et l'artère splénique aussi, d'accord, et ça c'est la veine mésentérique inférieure, etc., etc., oui, attendez, mésentérique inférieure et Mésentérique supérieure. Non, non, non. La, veine... la veine porte. Voilà, voilà. Donc, alors ça, c'est la veine mésentérique supérieure, d'accord, parce que le veine splénique et la veine mésentérique inférieure vont se rejoindre ou bien se réunir pour former le transpléno-mésentérique et le trans... la réunion de le... du transpléno et de la veine mésentérique supérieure va donner la veine porte donc ici on voit ici l'empreinte de la veine porte ça c'est le tronc spléno-mésentérique euh, d'accord qui est né par la réunion de la veine splénique et la veine mésentérique inférieure très bien alors la structure une trame conjonctive du diodénome non. Donc le parenchyme exocrine et le parenchyme. Donc non 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 on est euh, voilà toujours dans le pancréas. Donc une trame conjonctive c'est une trame conjonctive euh, qu'on va euh, décrire le parenchyme exocrine ça avec le canal de Weirson Wirsong, d'accord C'est le canal principal. Il y aura le canal de Santorini qui est un canal euh, accessoire qui est plus supérieur. Il se jette dans la portion, la deuxième portion du diodénum parce que le diodénum est composé de quatre portions, d'accord Très bien. Donc, alors, ça, c'est le canal de Santorini qui est plus supérieur par rapport au canal de resong d'accord et il y aura la parce que ici pourquoi j'ai dit que it boucha parce que ici on aura le canal cholédoque canal cholédoque qui est euh, comment on dit euh, né à partir du foie et la vésicule biliaire et ici s'il y aura par exemple une calcul biliaire ou quelque chose il y aura le euh, il te bouche, <laughs> voilà. <rire> Et le canal de Santorini prend un peu le relais, mais ça reste euh, pas suffisant, d'accord Très bien. Donc, voilà, ça c'est le canal de Colédoc. Ça c'est le canal de Santorini. Et ça c'est le canal de Wearsong. d'accord Ça c'est le parenchyme exocrine qu'on aura besoin dans cette unité. Parce que le par endocrine, on utilisera dans l'unité endocrine. Je pense. Oui. Canaux excréteurs. Le canal de Weir Song, c'est un canal excréteur principal parcourant toute la glande de gauche à droite, de 3 mm de diamètre, donc quand même c'est important, recevant une multitude de petits. Canaux latéraux. Donc, si vous voyez ici, vous trouvez les petits canaux latéraux. D'accord? Très bien. Il s'accole à la partie terminale du colédoc, dans la tête du pancréas, formant une cavité en poule de Vater. Celle-là. D'accord? De Vater. D'accord? S'ouvre dans la paroi médiale de D2. Donc, le die, deuxième, la deuxième portion du noms soit un repli, re, repli, muqueux, grande car, euh, caroncule. D'accord? Donc, ça, c'est la grande caroncule. Si vous voyez ici, ça, c'est la grande caroncule. Et ça, c'est la petite caroncule. D'accord? Euh, un appareil musculaire complexe entoure leur terminaison, le sphincter dodi. Le sphincter dodi. D'accord Un sphincter, c'est comme euh, une structure musculaire circulaire qui va s'ouvrir et se fermer. D'accord Très bien. Canal de Santorini, c'est un canal excréteur accessoire plus petit qui part la tête du pancréas et se termine dans le diodénome au bord médial de D2 à 3 cm au-dessus de la grande caroncule. D'accord 3 cm au-dessus de la caroncule va se terminer. D'accord Son orifice d'entrée dans le deuxième diodénome est recouvert de la petite caroncule qu'on voit ici. Très bien. <coughs> Donc voilà, alors ici, le canal de Weirson qui va re recevoir les petits canaux ici, d'accord Ça, c'est la, la grande caroncule et ça, c'est la petite caroncule, d'accord Ça, c'est le canal de Calais, non, si, le canal de Calais, donc voilà, et voilà de terre, c'est ça. ventre, va Vater, va -ter. Très bien. Ça, c'est le vater. Ça, c'est le colédoc. d'Oc. D'accord. Et ça, c'est le canal pancréatique principal de Wearsong. Entre ça et ça, on trouve 3 cm. On nous il y aura euh, la bouchage du canal pancréatique accessoire de Santorini. Et puis voilà. Voilà, cranial et ventral. Très bien. Diodénome maintenant. L'anatomie descriptive. Diodénome, c'est la portion initiale de l'intestin grêle à la forme d'un rectangle appelé cadre diodénal. Ouvert au haut et à gauche. Ouvert au nous et à gauche. D'accord Il n'est pas ouvert en bas. Il est ouvert au nous et à gauche. Pas à droite. À gauche. D'accord. Il est ouvert au nous et à gauche. D'accord. On lui décrit quatre segments. D1, D2, D3 et D4. Ça, c'est D1. Bulbe. C'est 5 cm. D2, 10 cm. C'est là où il y aura la bouchage des deux. Car caroncule. D'accord, la grande. Caroncule. Pour le canal de wilson qui va réunir, se réunir avec le canal de Koledok, d'accord Pour former une ampoule de Vater, d'accord Et va s'aboucher ici, d'accord La grande caroncule. Et à hauteur de 3 cm, où il y aura le canal de Santorini. Et la petite caroncule. Et si c'est la troisième portion de, 3, de 8 cm, des, 7, des 4, 7 à 10 cm. Et là, c'est le jugeon. Ça, c'est l'angle du dueno D1 au premier duo fait suite au pylore au flanc droit de L1, presque horizontal, oblique en eau arrière et à droite.

En arrière, c'est bien évident parce que c'est très périton. Donc, il y a bien sûr une portion qui sera intra-péritoniale et une portion qui sera extra-péritoniale. Ok Très bien. Donc, il sera oblique au nous, en arrière et à droite. Parce que l'estomac, le, 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 elle est à gauche. D'accord Et donc, c'est euh, bien à droite d'accord très bien très bien euh, l1 d'accord très bien des deux ou 12 douze deuxième dieu des noms descend vertical de l1 à l4 10 cm de long termine euh, au génu inférieur Naya. -da -da. ça c'est génu inférieur D'accord Très très bien. Très bien. 10 cm de long. L1, L4. OK. Presque vertical. Et ouais. Vertical, mais je suis presque vertical. Troisième dieu dénom. Horizontal contre L4. 9 cm de long se termine au flanc gauche de L4. Il revient de L4. OK. Très bien. paul gauche, parce que... Il ok c'est comme... Euh, il est rectangulaire, ok Très bien, c'est comme un cadre. Euh, quatrième diodénome. Monte verticale à gauche du rachis de L4 à L2. 6 cm de long se termine à l'angle diodéno géjunal D'accord Donc, ok. Donc, euh, D1... Au premier diodénome. Il est dans le L1. Ok. Donc, L1. Ok. Très bien. C'est euh, ça, la trajet. On nous ob, euh, oblique. On nous, en arrière et à droite. Et à droite. D'accord. Le, le diodénome, le deuxième diodénome. Euh, presque euh, verticale, non pas presque verticale, 10 cm de long et il doit L1, tel L4, ok, très bien, D3 L4, ou D4 il doit faire comment dire L4, tel L2, ok et où il va se terminer à l'angle diénojugal, d'accord, très bien et euh, qui m'a le pancréas, d'accord Il y a un rapport, ma L1 ou L2. Il ne faut pas oublier L1, L2, D1. Ma L1, D2, ma L1, tel L4, D3, ma L4, et D4, L4, tel L2. Ok Très bien. Voilà. Donc, ici, ce sera le, le L1. Ok Donc, il se trouve ici. Son trajet est au nou, euh, oblique au nous en arrière et à gauche, d'accord Et à droite, à droite. Euh, Dieu des vertical, 10 cm de long. L1, L2, L3 et la hauteur de L4, la hauteur de L4. Euh, donc, la hauteur de L4. D3, J, la hauteur de L4, d'accord et D4, euh, mais la hauteur de L4 jusqu'à euh, L2. D'accord On va se terminer au niveau du, de l'angle diodeno géjunal. Period. Yes. Très bien. Très, très bien. Donc, ici, on voit du On voit euh, quoi Donc, en 4, ça, c'est l'artère mésentérique inférieure, euh, supérieure. D'accord Parce qu'il y aura supérieur et inférieur, d'accord ça sera les branches collatérales de l'aorte abdominale. Euh, en deux, ça c'est le tronc celiac. d'accord En un, c'est le ligament archémédion, ligament archémédion du diaphragme, d'accord euh, À la hauteur de TH12, d'accord Très bien. En cinq, c'est le pilier gauche, D'accord Et en 6, c'est euh, le muscle suspenseur du diodénome. Et en 7, c'est l'angle du déno euh, Et voilà. Très bien. Situation le diodénome est un organe très profond, central, central, successivement euh, sus puis sous-mésocolique. D'accord Sus après sous. OK Haoulick, le méso-colon. D'accord Le méso-colon. Et on une portion, mais elle a eu sus après tous les sous. Parce que maintenant, il y a une l'estomac. Donc, elle a la première portion. Donc, elle est sus, puis il les sous. Très bien. Dieu donne des noms morphologie interne. Trois formations caractérisent le diodénum. Des valvules conniventes, des valvules des euh, follicules clos et des vilosités. Des villosités. Très bien. Donc, les valvules conniventes, euh, ce sera des plis transversaux, d'accord, au niveau de la muqueuse ou là, la sous-muqueuse. D'accord Ce sera des plis. Comme tu fais. faire. Hein. D'accord les plis. D'accord les plis. À donc, on a les valvules conivantes. D'accord Conivantes. Des follicules clos. On le... a des follicules lymphoïdes, par exemple. Plaquettes, plaques de Payeur par exemple. Etc. Etc. D'accord Des vilosités. Les vilosités des plis. les plis. Ok Et je euh, a des cellules. Ok euh, donc la villosité intestinale, les entérocytes. Ok, très bien. Au niveau de la euh, face interne du diodénome, le, les entérocytes, qui va, vont contenir le plateau strié, d'accord, les microvillosités qui vont assurer l'absorption, d'accord, parce que les villosités assurent l'absorption à travers parce que là, il y a qui me fait, fait l'intestin, il y aura des plis, il y aura plein de plis. Et plein de replis, et des replis, et des, des replis, et des replis, des replis, d'accord Parce que, on a des replis. Ok Dans l'intestin. D'accord On a des replis. Et puis, derrière les replis, on a des replis. Que... Ok Et dans les replis, on les antérocytes. Les les ou ou les les microvillosités. Où je n'ai à la fonction, la... les microvillosités, c'est d'augmenter la surface d'échange entre la lumière et la cellule. D'accord thématique vous avez l'absorption des nutriments. D'accord Etc. Etc. D'accord Très bien. Au niveau de la face interne du lampes on trouve la grande cornicule et la petite cornicule. La grande cornicule, pour la bouchette euh, du canal de Winson, Wilson, Wilson, euh, et puis un euh, canal de Colé d'accord, qui vont se réunir pour euh, constituer l'ampoule de ventaire, d'accord, et une euh, petite carnicule pour l'abouchage euh, du canal euh, de Santorini, d'accord, qui est un canal accessoire, d'accord. Voilà. Canal 2, Wirson. Très bien, les, les jantes. Bon, euh, alors, en 1, c'est le, le Calédoc. Le Colédoc, d'accord Très bien. Euh, en 2, c'est le diodénum, bien sûr. En 3, ce sera le papy diodénal mineur. Et le papy... Euh, diodénale majeur, ça ce n'est d'autre que euh, la grande et la petite cornicule. D'accord En 5, il y aura le processus insiné. D'accord Et euh, en 6, il y aura le canal accessoire de Santorini. En 7, le canal de Welsang. En 8, c'est le pancréas. En neuf, c'est l'artère et la veine mésentérique supérieure. Structure. Et celle des organes digestifs avec de superficie à la profondeur, il y aura euh, une séreuse, d'accord, de la superficie à la profondeur. Ok. Séreuse, musculeuse, sous-muqueuse et muqueuse. Ok. C'est ma mère qui va être en contact avec la lumière, ce sera la muqueuse. Ok. Très bien. Donc, euh, cou couche musculaire, il y aura trois, euh, deux couches musculaires. Très bien. Il y aura le longitudinal et circulaire. Il y aura aussi euh, la sous-muqueuse. Et à l'intérieur, il y aura la muqueuse. D'accord Très bien. Euh, radiologie du diodénum. L'antra pylorique. En 1. Euh, en deux, la partie pylorique de l'estomac. Oui, voilà, donc ça, c'est la partie inférieure de l'estomac. Ça, c'est le pylore. Ok? Euh, la partie supérieure du diodénum. La partie descendante du diodénum. La partie horizontale du diodénome. D'accord Très bien. Rapport du diodéno pancréas. Rapport péritonio. Il y aura des rapports dans la loge diodéno pancréatique. D'accord Il y aura des rapports en dehors de la loge diodénome pancréatique. Donc, très bien. Rapport péritonio. Le diodénome et pancréas presque totalement rétro péritoniale, accolé par le fascia de Treitz, d'accord, à la paroi donc euh, pariétale, d'accord, postérieure, ok. À l'exception de D 1 et euh, de la queue du pancréas qui reste libre dans l'omontome pancréatique splénique, d'accord. L'omontome, c'est euh, un prolongement du péritoine aussi. <coughs> péritoine aussi. D'accord Très bien. Très bien. Donc, dans cette planche, vous voyez ici, fascia du trade D'accord Quand on a parlé. D'accord euh, Dans cet instant, il y en a Donc, voilà. Et ça, c'est l'artère hépatique commune. D'accord Qui va se diviser en deux et va se terminer euh, par l'artère hépatique proprement dite, celle-là. Et on, on a le pancréas. Et ici, fois vésiculière. Ça, c'est le colon transverse avec le mésocolon transverse. Quand vous voyez ici. Alors, ça, c'est le, euh, le péritoine, d'accord Et ici va entourer, d'accord, le colon transverse et va s'accoler avec l'autre partie. Ici, ça, c'est le mésocolon transverse, d'accord? Très, très bien. Euh, ça, c'est la veine mésentérique supérieure, d'accord? Ça, c'est la veine mésentérique supérieure qui va se terminer dans la veine porte, d'accord? très bien donc dans cette coupe on voit pas la veine splénique le veine mésentérique euh, inférieur qui vont s'unir pour constituer le tronc spléno mésentérique d'accord qui va euh, aussi se réunir avec le veine mésentérique supérieur pour constituer la veine porte d'accord qui va aller euh, au foie d'accord très bien fascia de trait, veine cave inférieure et euh, ici, c'est euh, des trois du diodenum, d'accord, avec la tête du pancréas, euh, la queue du pancréas. Très bien. Euh, Dans cette coupe en T12, on reconnaît le foie, bien sûr, qui est un organe volumineux, c'est un organe noble. La veine porte, d'accord, on reconnaît aussi. Euh, euh, le foramen épiploïque, d'accord, celui-ci, euh, la vingt-cave inférieure, euh, quoi d'autre, le ligament pancréatique splénique, la rate, ligament gastro-splénique, l'estomac, la bourse omentale. Ici, ça, c'est la bourse en mentale. Et euh, l'hiatus aortique. Ici, le tronc céliaque. D'accord C'est la première branche collatérale de l'aorte abdominale. glande surrénale gauche et le, le rein gauche. D'accord Très bien. Très bien. Ouais. Les rapports péritoniaux. La racine du mésocolon transverse, oblique au haut et à gauche, croise la partie euh, basse de D2 et la tête du pancréas. Et nous avons déjà vu ça, donc elle est oblique au haut, d'accord, et à gauche, d'accord, et à gauche. Ici c'est à gauche, ici c'est à droite, d'accord, donc... Euh, euh, Celle-là, la racine du, euh, du mésocolon transverse, elle est oblique au nœud et à gauche. D'accord Quand vous voyez ici, elle croise des deux. D'accord Et la tête du pancréas. D'accord Très bien. La racine du terre oblique en bas et à droite. Euh, donc, longue. Le bord droit de D4 et précroise le bloc du pancréatique en D3. La racine du mésentère. La racine du mésentère. Où est le mésentère ici Mésentère, mésentère, où est toi Et puis il n'est pas représenté ici. Mésentère et non pas le mésocolon. D'accord, c'est pas la même chose. Hmm. Euh, on voit pas ici. Terre. Ça, c'est le Maison Terre. Ouais. Donc, on voit ici qu'il croise là. Donc, il croise le bord droit. D'accord Le bord droit de D4. Et précroise les deux. Donc, euh, euh, le bloc diodéno-pancréatique en D3. En D3. Ça, c'est le Maison Terre. D'accord Qui constitue un éventail ici. Et ça, c'est la partie fixe, d'accord C'est là où va s'attacher l'intestin grêle, d'accord La suite de l'intestin grêle, parce que le dénomme appartient à, à l'intestin grêle. C'est le segment initial de l'intestin grêle. Donc voilà, en arrière, entre le fascia d'accoulement de Traits et le pancréas se glisse le conflux veineux portal Et on a vu ça ici, donc entre... Ça, le bloc, etc. Euh, ce, et le fascia se jette la, la veine porte. D'accord Ces dessins ne sont pas vraiment très, très, très rigoureux. Mmh. Bon, en arrière, entre le fascia d'accolement de traite et le pancréas ça, se glisse le confluent veineux portal. Oui. Et le pancréas se jette. Veine porte, donc on répète en arrière d'accord du euh, pancréas entre le pancréas et le fascia de Treitz se jette la veine porte d'accord le euh, le confluent de veineux portal d'accord. Euh, et puis la racine du méso transverse elle traverse le duodénum en D2. D'accord Et elle est oblique au nœud et à gauche. D'accord Et à gauche. Et elle croise aussi euh, la tête du pancréas. Et le mésocole, le mésenter, plutôt, le mésenter. Donc, il borde le bord droit de D3 parce que ici, ça, c'est l'angle euh, du jugal jugal. Et ça, c'est le jugénome. D'accord Donc ici, ici, il borde le bord gauche, le bord droit plutôt, de D4. D'accord Et croise le bloc diodéno-pancréatique en D3. D'accord Très bien. Les rapports du diodénome. Rapport dans la loge diodéno-pancréatique. Et puis, on va faire les rapports en dehors de la loge. Ici, dans la loge diodéno-pancréatique. Le diodénome. Le bord du diodénome est creusé en gouttière d'où vient se coller le pancréas. C'est vraiment, vraiment très logique. D'accord Ici. Et creusé en gouttière. Ici. D'accord Il n'y a pas un schéma pour voir. Mais euh, c'est clair. Donc c'est clair qu'il y aura des. Euh, des gouttières, d'accord, où va s'installer le pancréas, d'accord, la tête du pancréas. Il n'y a pas de limite franche entre la tête et du pancréas et des deux, d'accord, c'est vraiment, ils sont tacolés, d'accord, très bien. Euh, chirurgicalement, ils sont indé, euh, indissécables l'un de l'autre, d'où Dieu des nos pancréas, commis euh, <laughs> Dieu des nos Bio, pancréas, tout... Bon, on passe. On passe. Voilà, c'est valé, cuit. Diodéno pancréatéctomy. Voilà. D'accord. Euh, très bien. Désolé. Le canal euh, cholédoque. Canal cholédoque. <laughs> Donc, chemine à la face postérieure du pancréas. C'est vraiment logique, d'accord Le canal cholédoque du foie, d'accord Devenant progressivement intrapancréatique, d'accord Pour se réunir avec le canal de Wearsong et sa bouche dans D2. Ça, pour constituer l'ampoule de ventère, d'accord Très bien. Et on a vu ça déjà. La vingt porte en arrière de la tête du pancréas. Donc, on avait vu ça ici, dans cette vue. Donc, ça, c'est la tête du pancréas. Et euh, la veine porte, elle est en arrière de la tête du pancréas. Est, donc, ça, c'est l'image. Bon, bref. la veine. Bon, Hadi. Oui, donc Hadi. La veine porte, c'est en arrière. Ok. Très, très bien. Euh, les euh, vaisseaux mésentériques supérieurs d'abord euh, en arrière de l'isme puis en avant du, pancré, euh, du processus euh, insin... insinatus et du détroit et du détroit f F1... non mais c'est F1, F1. Bon, je sais pas bref enfin voilà les vaisseaux voilà, donc euh, on voit ici les vaisseaux mésentériques supérieurs, d'accord Qui ont euh, ton rapport à, à, au niveau de D3, d'accord Insinatus de D3. Voilà, le crochet ici. Ça, c'est le processus euh, Insinatus, d'accord Ici se trouvent les vins mésentériques supérieurs, d'accord quand, quand on dit mésentérique, maintenant elle a une relation avec les intestins. D'accord, très bien. Euh, bon. Euh, hum, hum, hum. Très bien, donc, canal colédoc, chemine à la face postérieure. Ça, c'est le canal colédoc, d'accord, Ada? Face postérieure, tu as le, le pancréas, puis il a l intra-pancréatique pour se réunir avec le. Le canal de Wilsong, Béchi constitué l'ampoule de ventère. L'ampoule de ventère se jette dans la grande cornicule. Cornicule. Donc, très bien. On est deux. D'accord, très bien. 20 portes en arrière de la tête du pancréas, vaisseau mesentérique supérieur. D'abord en arrière de l'isthme, puis en avant du processus insinatus. en arrière de l'isthme. Oui, c'est logique, chauffe Là, et en arrière de l'isme, puis tous les en avant, la détroit au niveau du processus incinatus. Ça c'est comme une répétition, d'accord On voit le pancréas, on voit le canal biliaire, d'accord C'est le, le canal de colédoc, très bien, qui va aller postérieur, puis va être intrapancréatique pour se réunir avec le canal de Wilson, pour constituer l'ampoule de ventère et se jeter dans la grande cornécule. Très bien. Rapport en dehors de la loge. Diodéno-pancréatique. Très bien. Donc, en avant, il, repre, il répond au foie, bien sûr, parce que le foie, c'est l'élément le plus antérieur. OK Très bien. Lobe carré. Lobe carré. D'accord Telle fois. Il hmm. n'y a pas de... Hmm. Bon, c'est clair qu'on aura un bon schéma. D'accord Très bien. Donc, à l'estomac. Euh, par l'intermédiaire de la bourse mentale poche rétro-gastrique. D'accord Poche rétro-gastrique qui est une poche qui n'existe pas. Un c'est qui n'existe pas. Donc, euh, attendez. Très bien. Donc, on reconnaît ici le foie. D'accord. Ici, pancréas. Ici, c'est l'aorte abdominale. La veine cave inférieure. L'estomac. Et ça, c'est la pouche rétro-estomac. Et ça, c'est la rate. D'accord. En avant l'aube carré du foie, l'aube carré du foie, et oui, à l'estomac, c'est clair, et euh, par l'intermédiaire de la bourse omentale, dit la bourse omentale, poche rétrogastrique, d'accord, la poche rétrogastrique. En arrière, avec les éléments de la région rétro-péritoniale, au niveau de la tête surrénale et rein droit, droit, ok, c'est clair, parce que qu'on a des droit, voilà, comme j'ai fait. Au niveau du corps, rachis, aorte et vingt-cave inférieure, c'est clair. Regardez ici. Au niveau de la queue, surrénale et rein gauche, et rein gauche. Il y la queue, il y a la tête. Il y la gauche, il y la droite. Claire. Très bien. Euh, donc, euh, si on va citer quelques éléments ici. Donc, en 1, c'est l'artère hépatique propre qui a devenu propre après émettre l'artère la, euh, gastro-diodénale. D'accord L'artère gastro-diodénale. D'accord Très bien. Et euh, on aura en deux, c'est le canal cholédoque. D'accord En trois, il y aura euh, l'artère pancréatique duodénale. En trois, c'est une branche de l'artère gastro-duodénale. D'accord L'artère pancréatique duodénale. En quatre, la vésicule biliaire. En cinq, la partie. Supérieur du dieu des lames. Euh, En 6, c'est le colon transverse, ici. Euh, en 7, le mésocolon transverse. Ça. En 8, euh, la veine porte. Celle-là, qui naît de la réunion de la veine. D'accord La veine splénique la veine splénique, la veine mésentérique inférieure et euh, le, se réunit pour constituer le transplénum mésentérique et avec la veine mésentérique supérieure vont constituer la veine, la veine porte, etc., etc. Donc ici on voit bien les rapports du diodénome. Donc pour la tête du pancréas et le diodénome, son rapport avec le rein et surrénale droite. La queue du pancréas est en rapport avec le rein et surrénale gauche. Euh, est, il est en rapport en arrière avec l'aorte abdominale, avec la veine cave inférieure et avec la veine porte. Très bien. La vascularisation artérielle maintenant. Euh, donc, la vascularisation artérielle, la vascularisation veineuse et l'innervation. Donc, euh, l'artère du corps et que du pancréas, deux sources, le tronc cœliaque et la mésentérique supérieure. D'accord, deux arcades pancréa, euh, pancréatico-diodénales donnant des branches collatérales pour le diodénum et le pancréas droit. Pancréas droit. Arcade pancréatico-diodénale postérieure et l'arcade pancréatico-diodénale antérieure. D'accord Très bien. Alors, donc, euh, je vais essayer de, de faire la vascularisation comme ça. Donc, il euh, y a quoi Donc, il y a le diodénum, essentiel. Oui, pancréas. D'accord Très bien, peu importe, pas pas important. Donc, il y aura l'aorte abdominale qui va donner le tronciliaque. D'accord Tronciliaque va se diviser en trois branches. La troisième ne, ne nous intéresse pas. Donc, l'artère euh, euh, gastro- gastrique gauche. Très bien, donc elle ne nous intéresse pas. L'artère splénique. Ah, euh, plutôt l'artère hépatique. Très bien. Ah, euh, il euh, y a un examen pour l'estomac, d'accord Je suis à... Euh, nous fermons la, la vascularisation. Hey Bon, bref, peu importe. Euh, bon.

D'accord. C'est l'hépatique commune. D'accord. C'est l'hépatique commune. Il y okay. right. so, you know, a deux branches. So, il y a le gastro-diodénal. Ok. Et il y a l'hépatique propre. Il y a l'hépatique propre. Il y a le gastrique droite. D'accord. Donc, c'est le tronc ciliaque. D'accord dactro c'est c'est l'artère gastrique gauche. D'accord. Et C'est l'artère splénique. Et hadia, c'est l'hépatique commune. L'hépatique commune. هي اللي حتمد لك هنايا الغاسترو ديودينال و راح تكمل لك بال بالايباتيك بروب هادي سي الايباتيك بروب الايباتيك بروب هي اللي حتمد لك الغاستريك دروات دكور فهمتوني Très bien. Je vais vous un autre schéma pour expliquer la vascularisation euh, du bloc euh, diodéno-pancréatique. D'accord Très bien. Donc, on va faire un autre schéma. D'accord Le diodéno. D'accord Il y sphincter pylorique. D'accord Parce que le pylore est constitué de l'antre c'est la partie inférieure de l'estomac. Plus le sphincter pylorique, d'accord. Bon, bref, on va pas se tarder pour beaucoup de dessins, donc très bien. Ça, c'est duodénum et ça, c'est le pancréas. Très bien. Alors ici il faudra bien sûr les hérodouc le le tronc D'accord donc le gastrique gauche nous intéresse pas bien sûr donc splénique et hépatique commune. L'hépatique commune il y a le gastro diodénal ou peut le hépatique propre. Et l'hépatique propre il y a le gastrique droite. D'accord peu importe donc heady les nous intéresse, Le gastro D'accord. Oui. Très bien. Donc, le gastro duodénal va donner une branche, c'est euh, l'artère euh, duodénaux. Euh, ga oui, oui. Là, non. Duodéno-pancréatique. Gastro-diodénal. Gastro oui, oui, gastro -diudénal. Donc, le gastro-diodénal, elle va donner l'artère pancréato diodénale postérieure. Postéro-supérieure. D'accord Postéro-supérieure. D'accord Et elle va garder la même nomenclature. D'accord Parce que c'est la même. D'accord Et là, elle va donner. L'artère de... Donc, Hadi, c'est le pancréatique diodénal, pancréato-diodénal, postéro supérieur Et hadi c'est le pancréato... Euh, non, c'est pas le pancréato. Donc, Hadi, c'est le pancréatique inférieur. D'accord, Hadi est le pancréatique inférieur. Les des arcades après ma splénique. Ma splénique. OK. Très bien. Alors, Henaya qui dit le pancréatique inférieur, le, le, le pancréato duodénal antéro supérieur. D'accord Très bien. Donc alors ici, la d'accord, la, horte, la horte abdominale va donner le mésentérique, mésentérique supérieur. La il maison stérique supérieure y a de deux branches donc l'artémide de l'épand créateur euh, duodénal postéro inférieur qui va s'anastomoser mal postéro euh, supérieur constituant une arcade et l'artémide de antéro inférieur pour s'anastomoser mal hedia antéro supérieur gastro gastroduodénale d'accord très bien ça c'est pour comprendre et puis l'artère splénique haide, ya, Hâte, tu vois, des de Mal le pancréas inférieur. D'accord, le pancréas inférieur, tu des arcade. En bas, hâte, zit, complète. Tu vois, la mamma, zit, méd, et hâte, des méd, et de volk, D'accord, pour le corps et la queue de du pancréas. Très bien. J'espère que c'était clair que l'artère la, du corps et de la queue du pancréas deux sur ce tronc euh, et le mésentérique supérieur qu'on a shunté le supérieur les autres anastomoses. d'accord très bien deux arcades pancréa, pancré, pancréatico diodénales donnant des branches collatérales pour le duodénum et le pancréas droit d'accord très bien euh, l'arcade pancréatico diodénale postérieure, parce que là, droit, il y a des les, sont assurées par l'artère splénique et l'orat, d'accord? C'est ma, haduma, les arcades, régulent la partie droite, d'accord? Très bien. L'arcade pancréatico diodénale postérieure, c'est l'anastomose entre pancréatico diodénale on est, euh, ou, postérieure et supérieure au pancréatique duodénal postérieur et inférieur qui m'a dit le postéro supérieur scholastica le gastro diodénal ou le postéro inférieur hatvedha le mésentérique supérieur d'accord très bien et le pancréatique antérieur entre le pancréatique duodénal antérieur et supérieur et l'antérieur antérieure et inférieure. Donc, le, le prof euh, Boudin nous a dit que ce schéma euh, n'est pas rigoureusement juste. D'accord Donc, euh, elle nous a dit que le pancréatique ou duodénal antérosupérieur, c'est après donner euh, cette arcade de Kirk. D'accord Très bien. Euh, oui, oui, c'est l'arcade de Kirk qui va se poursuivre par l'artère pancréatique inférieure, d'accord, c'est ça qui va donner les autres anastomoses pour constituer ces arcades, d'accord, très bien. Donc l'artère ici, je tombe, mais que je mets pas, c'est Mohamed, Mohamed, Hadia, c'est Hadaya, c'est le le Très bien, donc donc, donc je... جنسيبا من كنت، دونك لاختر سبلينيك حتمدلك الإيقاتيك كومون و حتمدلك الغاستخوديودينال، الغاستخوديودينال هي اللي حتمدلك الـ <hesitation> الـ postero superior و الـ postero-ونتـ superior، أوكي؟ okay. تخي بيا بصح ماشي هنايا اللي راح تكون postero superior، شوفو شوفو تبعو معايا بيان، هنايا هنايا لاختر غاستخوديودينال، أوتوماتيكمون شوفو كيفاش راه يتبع، راهي رايحة ديالك، شو شور كيما الإيقاتيك، بارسكو الإيقاتيك حتمدلك الغاستخيك. Droite, d'accord, ou à te kimel bel hépatique propre. Ok, je roule. Vais... Uh, attendez. Uh, donc, je vous. Vais... Donc, هذه... Hadi, uh, Rahi, he... diodénal, d'accord, très bien. Donc, il y a Hapot, Mdit lek branche, ou Kimelet. Donc, Hadi, a gardé la même nomination. Ça, qui te met l'arcade de Kirk. C'est-à-dire le pancréatique ou le diodénal ont des D'accord Parce que ça, on va l'instaurer avec les roues inférieures. On va l'instaurer avec l'artère mésenterique. D'accord Très bien. Donc, y c'est la vascularisation. En bref, l'artère du euh, corps et queue du pancréas, la vascularisation dépend de l'artère splénique, d'accord, qui mèche comme il est euh, le des arcades, le corps et le queue. La, de l'artère pancréatique inférieure, collatérale de l'artère mésentérique supérieure. Euh... Mmh. 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 Et de l'artère pancréatique transverse, collatérale de l'artère pancréatique dorsale. Et, il problème. Je crois qu'il y a une de louche. Et oui. Donc, euh, très bien. La vascularisation veineuse qui est euh, plus simple deux arcades veineuses qui se jettent dans le tronc porte et la veine mésentérique supérieure. Arcade veineuse antérieure, arcade veineuse postérieure, le pancréas gauche, la Qu'est-ce qui Kif kichrol, le veineuse antérieure, veineuse postérieure et le vins splénique ils vont se jeter dans euh, le tronc porte. D'accord Et le vins mésentérique supérieur. Super. La vascularisation lymphatique, tributaire, tributaire des chaînes lymphatiques. Soit hépatique, mésentérique supérieure ou latéro aortique. D'accord Bon, ouais, je vais vite. Mais sur le Hadouma, t'as vite, vite, d'accord? Parce que la vascularisation veineuse ne nécessite pas trop de... D'accord? Pas avec l'art. Ah, L'hépatique, donc la tributaire, avec hein? l'hépatique, OK? Le mésentérique supérieur, le mésentérique supérieur et aortique. D'accord? Parce que, euh, quand il y a des est de d'ailleurs, comme j'ai fait. le mésentérique supérieur l'hépatique, le, les nœuds hépatiques et latéraux aortique d'accord, l'atéroaortique aortique cadeau. L'innervation, l'innervation a une double origine. Les nerfs provient du plexus celiac. C'est sympa, ok, qui trouve au plexus, qui derrière, sympa, ok, plexus celiac, sympa, nerf vague, le l'innervation taha est purement végétative, d'accord. Les nerfs proviennent du plexus ciliaque, C'est sympa. Ou le nerf vagal para sympa. D'accord. Très bien. Et les explorations. Donc, euh, vous voyez ici des explorations que je vous invite de les voir. En conclusion, le bloc d'iodéno pancréatique est un complexe unissant une grande mixte aux euh, segments initial de l'intestin, ses particularités se résument en, il est situé au centre névralgique de l'abdomen, là où sont chevêtre les formations vasculaires, lymphatiques et nerveuses nécessaires au bon fonctionnement des organes digestifs et glandulaires, chevreux, chevreux, vénicales, chevreux abdominaux, et lymphatiques. Elle est située dans une région vraiment euh importante dans la survie. C'est un organe profondément situé euh, au plan prévertébral, pratiquement inaccessible à l'examen direct. Ses intimes connexions avec la voie biliaire principale et avec le plexus sol solaire euh, rendent compte de, de ces explorations cliniques et anatomiques. Pathologique, euh, les difficultés de son bord chirurgical et l'importante morbidité liée à son ablation. Oui, très bien. Donc euh, merci pour votre attention et j'espère bien que c'était bénéfique. Et Charles, euh, euh, si vous avez trouvé que euh, j'ai fait une erreur ou là, je suis vraiment très désolée. Et Dana euh, et merci pour votre attention.